Et salut tout le monde, on est parti pour le bras de fer de la semaine et aujourd'hui distributeur de cartes mécaniques. Donc la pioche se fait par un robot spécial qui, au lieu de nous donner une carte aléatoire, va nous donner une carte qui a le même coût que le tour dans lequel nous nous trouvons. Donc par exemple, au tour 1, nous piocherons une carte qui coûte 1 de mana. Au tour 2, une carte qui coûte 2 de mana, ainsi de suite, jusqu'au tour 10. Donc il ne nous rend pas de carte à 10 mana, donc il nous donnera une carte aléatoire. Évidemment, quand on n'a plus de cartes pour répondre au tour dans lequel nous sommes, il nous donne des cartes aléatoires. Donc pour ce faire, nous avons pris un deck mage Atis Flamme, donc l'Atis Flamme qui est cette carte, qui après avoir lancé un sort inflige 2 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. Et un deck avec beaucoup de sorts. Donc des sorts qui coûtent très peu, hein, comme vous le voyez, là j'ai une dizaine de sorts. Les gnomes mécaniques qui nous donnent des pièces détachées, donc qui sont des sorts qui coûtent 1 de mana. Le Wyrm de mana qui combat très bien avec les sorts. L'apprenti du sorcier aussi qui permet de baisser de 1 le coût des sorts et du coup qui combat très bien avec la Tisse Flamme, car on pourra lancer plus de sorts, ce qui fait que la Tisse Flamme pourra faire plus de dégâts. On a mis les cartes de contrôle, donc la métamorphose, l'élémentaire d'eau, le choc de flamme, et c'est tout. Et pour finir, un peu de late game avec l'archimage Antonidas, dont à chaque fois qu'on utilise un sort qui nous donne une boule de feu dans la main, ainsi que le Dr. Boom. Donc, on est parti avec ce petit mage. Alors, qu'est-ce que cela va donner? On est bien sûr, comme d'habitude, contre un adversaire convenable. Alors, Malfurion, un petit druide. Donc, de ce que j'ai vu, normalement, ça devrait être un druide communion astrale. Donc, communion astrale qui est une carte qui pour 4 de mana, fait qu'on passe de 4 à 10 de mana. Voilà, c'est une carte très 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 forte, qui permet d'invoquer de grosses cartes très rapidement, à partir du tour 5 potentiellement. Hop. Donc là, j'ai tout gardé, parce qu'on a des sorts à 1. On va piocher le gnome mécanique, enfin on aurait pu piocher le wyrm de mana aussi ou les images miroirs. N'importe quel autre tour 1, mais on pioche le gnome mécanique, donc il y a une créature, ce qui est parfait. Et j'ai gardé ces sorts parce que si tour 4 on a la tisse flamme, eh bien on pourra le faire, on pourra le trigger pour tous. Non, là on n'aura pas l'apprenti sorcier du coup. Mais surtout si on en avait eu de l'apprenti sorcier, j'aurais dit, mais on l'aura pas. Parce qu'avec tous les sorts à 1, c'est assez facile de faire marcher la Tisse Flamme. Donc là, on espère qu'on va avoir la Tisse Flamme le prochain tour. Comme ça, on pourra le jouer dès le tour 5 en combo avec un sort, ou 6 avec 2 sorts. Je sais pas encore. Donc là, il joue des ennuyeux, c'est pour garder de ses HP en fait. Donc on n'a pas eu la Tisse Flamme, pas de chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On compte les cartes pour évidemment pas en perdre. Donc là, on ping juste l'ennuyeux parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. J'ai pas envie de claquer un projectile des arcanes sur ça. Donc voilà, comme je vous avais dit, communion à l'animation de carte est vraiment très jolie en plus. Ah, il perd pas grand chose, hein. Il a de la chance. Ancien du savoir, deux croissances qui sont assez inutiles et un toucher guérisseur. Il perd vraiment rien quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes. Là, ce qu'il faudrait de toute urgence, c'est mon Atis Flamme en fait. Où dois-je frapper? Bien, druide griffe en mode taunt. J'ai pas envie de ship ça parce que dans le druide communion astrale il y a des cartes qui sont beaucoup plus fortes. Du coup on va juste inverseur le druide, taper dans la 1-2 et canon lance-flamme et mettre une apprentie sorcier pour avoir un petit peu de board. Alors que va-t-il nous jouer? Tour 7, je vais piocher Antonidas ou Dr. Boom. Si je pioche Antonidas, je vais gagner la partie.
Normalement. Parce que si je pioche Anthony Das, je peux déjà me faire deux boules de feu. Bon, bah, je crois que la partie est finie. Hop. Donc là, on fait Anthony Das, on tape face, on envoie les deux projectiles des arcanes. Donc, grâce à Anthony Das, nous avons deux boules de feu dans la main. Et lui, il n'a pas de board. Ce qui fait que là, il doit tuer Anthony Das avec rien sur le board, sachant qu'il a 7 PV. Ça, et donc, pour un druide, c'est difficile, voire même impossible. Je dirais impossible. Donc là, je pense qu'il sait qu'il a perdu. Moi, j'ai gagné. Donc voilà, c'est à peu près certain, vu que là, je vais créer énormément de boules de feu. Donc là, il y a un Kraken qui fait 4 de dégâts sur mon Anthony Das. Donc mon Anthony Das survit à 3 PV, ce qui est bien assez. Moi, là, je vais pouvoir lui gérer son Kraken avec une boule de feu, que je ne perds pas vraiment, parce que j'en recrée une avec mon Anthony Das. Je ping le Kraken. Je vais claquer l'intelligence des arcanes. Donc Anthony Das va me redonner une boule de feu. Hop, et je repioche une boule de feu. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai 10 cartes. Donc je vais jouer un Wyrm de mana. Et mon jeu lag. Non, le jeu arrête de laguer, s'il te plaît. S'il te plaît, le jeu... Ah voilà, le jeu a eu un petit problème de connexion. Donc là, comme vous le voyez, j'ai 1, 2, 3, 4... J'ai 4 boules de feu et un éclair de givre sur le board. Ce qui fait 4 x 6, 24, 24 plus 3. Je suis à 27 points de dégâts juste dans la main. Donc là, il me dit bien joué parce qu'il sait qu'il a perdu. Donc on lui dit bien joué. Ah, le Ragnaros qui tape dans la tête. Et il concède. Et c'est une victoire pour le bras de fer avec le Majatis Flamme. On a obtenu un paquet comme toutes les semaines. Et en plus, ça nous aide dans les quêtes. C'est parfait. Et c'était Trimano pour Rivasun Studio. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Steam, ainsi que sur Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau bras de fer.